Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous recevoir à Télévision nationale d'Haïti dans le centre de prévision météorologique UHM, qui est l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti, par rapport avec passage tempête tropicale Laura. Et nous parlons comment situation est, comment prévision est pour jeudi pendant passage tempête tropicale Laura. Gouvernement pays d'Haïti qui décrétait vigilance rouge sous pays d'Haïti, ça. Habitants qui étaient dans le département sud-est, dans l'ouest, dans Nip, dans Grenance, avec sud, par rapport avec quand c'est la pluie qui a tombé, il faut prendre en pile précaution parce que pendant la journée, il y a activité la pluie a toujours été sous pays. Il y a des gens qui sont dans le centre, Antibonite, nord-nord-est, nord-ouest, il faut être vigilant parce que il y a un gros vent qui a soufflé. Dans ce sens, il faut que nous disions par rapport avec gros danger qui est sous la mer. Opération cabotage yo interdit semaine de concert avec Direction générale protection civile avec OFNAC aussi AAN yo fermé aéroport au Cap-là jusqu'à après-midi seulement aéroport Cap-Haïtien et c'est pour ça demander moun yo en pile précaution avec prudence par rapport avec rivière cap descend la pluie cap tomber par rapport avec beaucoup de vent capable causer non seulement inondation coulée de boue glissement de terrain. Et pourquoi pas pour être capable d'être vigilant par rapport avec passage tempête tropicale Laura. Merci beaucoup, à la prochaine.